Salut à tous! Red Zone, accompagné de Black Rider, comme d'habitude. Exactement. Aujourd'hui, sur 1916, ou plus connu sous Kampfselschiff 1916, donc. Ouais, 1916. Donc, Rider m'a conseillé ce jeu. C'est un YouTuber qui a envoyé un mail à Rider. Exactement. Donc, bah voilà, il m'a conseillé de jouer avec lui. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est notre première vidéo sur le jeu. Donc, peut-être il y aura à suivre. Tout dépend de Rider et de moi. Exactement. Donc, tout parti. J'ai eu quelque chose. Donc, bref. Apparemment, d'après ce qu'on m'a expliqué. Ouais, continue. D'accord. Elle marche pas. D'accord, d'après ce qu'on... Ça, on peut marcher. Ouais, ouais. Enfin, lentement. D'après ce qu'on m'a expliqué, en fait, dans ce jeu, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la sortie. Et on est dans des tranchées, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Ok, on va arrêter de marcher. Pendant la Première Guerre mondiale, en fait, il va falloir essayer de trouver une échelle qui va pouvoir nous conduire hors de ces... De cette fosse. Exactement, de ces tranchées. Mais je sais pas pourquoi, mais quand je regarde cette fosse, ça me fait penser à la fosse des armées de la Seconde Guerre mondiale qui se réfugiaient. C'est effectivement ça, car comme je l'ai mentionné il n'y a pas plus de 12 secondes, mon cher ami Red Zone, en fait, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, réfugiés dans des tranchées, en fait. Nous sommes un soldat, donc. Exactement, un soldat sans armes. Regarde par terre. Et voilà, on n'a pas d'armes. Ah ouais. Ah d'accord. Trop sexy. Hein. Ah ok. Ouais. Ah bah c'est le premier... soldat qui n'a pas d'armes. Non, c'est la première fois qu'on voit une vue du corps complet comme ça. Ouais, pas faux, c'est vrai ça. Apparemment, on glisse. Ouais, on patine en fait. Bon bref. Ouais, c'est parti, on va essayer de trouver cette échelle de merde. Okay. Ouais. Donc c'est parti. Ça va, c'est des pigeons. Ah putain, ça fait un drôle de bruit. Hein. Ouais, j'avoue. Bien. Attends. Non. Ok. Toujours à droite. Toujours à droite. On peut pas aller à droite ici. C'est pas de... Ok. Je suis couvert de corde, excusez-moi. Apparemment. C'était quoi ça? Ah. Putain, il m'a fait peur le con. Bah, t'avais dit à droite, n'est-ce pas? Ouais. Oh, zut! Ouf, putain, c'était quoi? Oh, tu peux prendre la lettre? Ouais, mais il faudrait que le personnage... Et il est cap... Ait envie, en fait. Je suis un gamin. Oh, moi... Voilà. Ah, okay. Oh putain, c'est un vélociraptor. Ah, c'est un dinosaure, alors. What the fuck? Oh, j'ai pas envie de lire tout ça, c'est mort. Ouais, je sais. Et lui, appuie sur... Attends, vas-y, va vers lui, là. Voilà, bon, bah. Bon, bah, ok, c'est bon, laisse tomber. Bon, ok. Ce mec est mort. Ok, attends, arrête-toi. Donc la bête, elle est partie par là-bas. Moi, je propose que on va par là-bas. C'est un cul-de-sac. Ah ouais. Ah, mais qui te dit qu'il n'y a pas quelque chose au fond du cul-de-sac hein? Ça, voilà ce que ça me dit. Ah oui. Bon, bah, effectivement, Rider, tu as raison. Et j'ai toujours raison. Ah, ils ont carrément mis des schémas directionnels. Putain. Zoid. Il est derrière? Oui, il est derrière nous. Cours. Oh putain, ça m'a foutu la frayeur de ma vie. Oh, comme j'ai flippé ma race. Donc ça, c'est le bruit d'un vélociraptor. Oh ouais. Bon bah, oh. C'est reparti pour un tour. Jurassic Park m'a trahi. On va essayer de revenir vers le cadavre, parce que je pense qu'on a loupé quelque chose vers cette direction. Exactement. Ok. À droite. Regarde le papier. Ok. Donc les chaises, viens avec toi. Putain. Ok. Attends une seconde. Remets le papier. Remets le papier. Et maintenant, attends. Non, j'ai cru quelque chose. Ok. Et attends, on va voir. Donc avance tout doucement. Attends, regarde ce soldat, maintenant je sais comment interagir. On pouvait prendre son... Oh Ah mais... Oh, on peut le balancer pour le dinosaure. T'es sûr? Ça en a tout l'air. Bah, testons l'efficacité de la main de notre pote. Ouais. Jet. Ok, on se casse. Là. Toujours droite.
Ok. Cours. Je cours. Il est derrière okay. moi. Oh shit. C'est quoi? Où c'était? Je sais pas. L'autre côté? Ok, on passe par là, à la fois. Mais j'ai dit, la raison de Red Zone, c'est toujours à droite. Lieberbrüder. Et c'est Sam Stark, Marianen, Raymond. Mais c'est pas grave, il parle à son frère. Ah, on peut prendre sa main lui aussi? Ouais. Ça marche plutôt bien la main de nos potes, hein. Ouais, j'avoue, ouais. Yo, blood. Brother. Tu me sers d'avant. Bro, first. Par là? Ouais, attends, on va juste regarder ce qu'il y a marqué dessus. Regarde en haut le panneau. Nathalie. What? Bunker. Ouais. Claudia. Bon, on va par là-bas. Ok, on va. Claudia. Y a pas un truc qui est marqué ladder quelque part? Bunker. Lider. Louisia. Bah, attends, je sais pas ce que ça veut dire, putain. Mais c'est des prénoms. Oh, right! Cours, il est derrière. Là. Mais c'est toi, tu dois diriger avec la souris. Cul-de-sac. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... What the fuck? Mais qu'est-ce que... Hein? What? Hein? Mais tu sers à quoi toi en fait? Tellement... Mais humain, il est mort, il est quoi? Non, il se fout de notre gueule. Putain, quel enculé. Okay. Eh ben le soldat, on va lui prendre sa main. Ah non, c'est son pied cette fois-ci. Ok. Non, attends, regarde s'il n'y a pas des panneaux avec marqué ladder dessus. Oh, c'est pour ça qu'il y a une arme. C'est effectivement le cas. Ah non, c'est... Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah on a pris des munitions apparemment. Ah ouais. Essaye toujours de regarder en haut histoire qu'on voit s'il n'y a pas des panneaux qui indiquent échelle. Des... Putain, attends. Non, dans l'autre sens. Nathalie, on est passé par là. Ouais. On pourrait tellement grimper là-haut, putain. Va juste dans le... L'atelier. Oh, c'est un piano, en fait. Merde. Le pied. On peut prendre quelque chose. Cours, la connerie. La main. Pourquoi t'as été caché vers ce mec qu'on est pris dans un cul-de-sac? Je kiffe prendre la chose des gens, là. Bah, allez, on se casse d'ici. Putain, comme ça fait trop flipper ça. C'est un truc de ouf, putain, j'avais pas cette vision de Jurassic Park, moi. Attends, regarde. Ok, voilà. Ok, là, Borat. Allez. Borat. Ok, mais c'est bon, on a déjà pris le truc de notre pote, ça sert à rien. Il nous faut un fusil, mec. Il y en a pas. Enfin, oui, peut-être, j'en sais rien. Non, tout ce qu'il y a, c'est... Oh, zut, il se passe quoi? Je sais pas, mais j'ai pas lancé ce qui nous restait. Ok, bah. On court. Genre vite. Trouver un cadavre vite. Ouais. T'as pas vu le sien là? Si, il y en a partout. Non mais putain! C'est qui la forme de ménage ici, hein? La belle ça, ça craint quoi. Putain. Quel est l'archéologue qui a fait ça? L'archéologue? L'architecte. Parce que l'archéologue c'est un mélange entre architecte et archéologue. Attends, le panneau. Borat. Mon go Borat. Ok. On était pas déjà allé à Borat tout à l'heure? Juste comme ça? Oui. Prends une main. Ok. Cool. Oh yeah. Une seconde, ça gaz. Son masque à gaz. Lâche la main. Oh zoït! Scheiße! Laufen, bitte laufen. Le masque à gaz, je sais pas. Ça va faire quoi? Je sais abs. Ouais voilà. Je sais pas par où on va. En tout cas, on est perdu. On est déjà passé par là. On est perdu, on tourne en rond. Masque à gaz. Oui, je mets ton masque. Comment faire pour mettre ce putain de masque? Une seconde. Alors, mettre le masque à gaz. J'ai. C'est bon. Oh, putain, la vie. Sérieux? Jack, on voit rien du tout là. Mais alors là, merci les mecs. Il se passe quoi? Putain, je vois que dalle. Quoi? Scheiße, nein, putain, y'en a deux. Putain, ils nous font un fusil. Mais y'en a pas. Et ça me saoule de recommencer tout à zéro la ville noire.
C'était l'épisode bonus numéro 3 par Black Rider et Red Zone. Si, j'ai encore un jeu à te faire tester. C'était l'épisode bonus, mais je vous déconseille de l'essayer parce que sincèrement, les effets graphismes... Ils vous enculent les yeux. On voit quasiment rien. Je sais, mais on a flippé au début, c'est ce qu'il veut. Ce que vous voulez, bande de schneck. Bon, sur ce, on va essayer de trouver un bonus un petit peu mieux pour la prochaine fois. Donc, ciao ciao.